Bonjour à toutes, à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Dark Castor Multi. Je suis toujours avec la fine équipe de la dernière fois. Tom n'est toujours pas là, hein, je suis désolé. Donc on a Vaval qui utilisera donc le roast beef. Ouais, le roast beef en gros, ouais, c'est ça. Salut. Redak utilise toujours les États-Unis, mais ouais. Il se fait relativement souillé, on va dire. Bah, c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Bah, t'aurais. Faut vraiment que tu fasses quelque chose pour que ça me fasse un petit challenge, sinon je vais me faire chier, moi, à t'annexer. Bah, vas-y, ça je va t'en être prie. Trop simple. Il s'est violemment pénétré. Ah, de manière là, pendant 6 mois, t'es relax, hein. Pendant 6 mois, je suis relax. Bah, disons qu'il te reste quand même quelques troupes, hein. Je les vois qui remontent de San Francisco, là. Bon, c'est des troupes de singes, hein, qui te restent, mais il te reste des troupes. C'est singe. Ouais. C'est des troupes de quelle année que t'as occupé à m'envoyer? Des vieilles troupes. Ah, là, je peux pas cliquer sur l'île. Ouais, je voulais dire. Eh bah, ça va, j'avance plutôt vite en fait. En fait, mon plus gros problème en ce moment, c'est que j'ai pas de troupe de cavalerie qui est là avec moi. Enfin, si, j'en ai une. Mais ça va pas aller vite quoi. Enfin, il m'en faudrait plus. Une fortification côtière, ça prend combien de PP déjà, s'il vous plaît? 5, je pense. 5, ok. Ouais, ça prend beaucoup de PP, mais si tu fortifies toutes tes côtes, le Britannique, il est impénétrable, après. Hein. Ouais, je sais, c'est sûr. Ah bon, déjà, il faut quand même à peu près une vingtaine de divisions pour passer une plage, s'il y a une division Ouais, déjà, de base, ouais. C'est vrai. Mais disons d'ailleurs, que le roast beef, c'est extrêmement dur de rentrer sur son territoire, je trouve. Attends, combien j'ai de plages? 1, 2, 3, ouais, 4. Pourtant, c'est pas les plages qui manquent, hein, chez le roast beef. Merde, je crois que j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9 ici avec l'Irlande. Ouais, bah 9 plages. Ouais, moi j'en ai beaucoup moins que toi. Et c'est aussi très dur si je fortifie les plages du japonais, il n'y a personne qui arrivera non plus. Coup, j'aurais juste un petit problème niveau ressources au bout d'un moment. Je pense. Voilà, tu fais 9 garnisons. 9 garnisons? Ouais. Tu sais, moi à ta plage je mettrais 3 garnisons par plage, hein. C'est ce que je fais tout le temps moi. Pour l'instant, j'en mets 9, et après on verra. Ouais, c'est vrai que ça veut user PP. Hein. Bah, je te rappelle que je m'appelle pas le japonais, j'ai pas masse PP, j'en ai que 85. Ah ouais, c'est vrai, toi, t'as pas encore la full PP. Toi. Bah oui, voilà. Et t'es triste. Allez, tiens, je te donne des transports de troupes. C'est parce que je suis gentil, hein, j'ai pitié de toi, alors voilà, il faut bien. Plan. Ouais, c'est un plan, c'est un plan. Bah, j'ai quand même les transports de troupes 36, hein, c'est pas de la merde, hein. C'est quoi ça? Tu m'envoies quoi? Croiseur léger semi-moderne. Ouais, croiseur, je m'en fous un peu, hein, t'aurais pu m'envoyer des cuirassés, merde, hein. Ah, c'est le seul plan que je pouvais te donner. Ah, bah, c'est mieux que rien alors. Ah, tu crois que je recherche les navires en plus? Bah, moi je les recherche, hein, parce que ça peut être vachement pratique, hein. À la base, je m'imaginais être en guerre contre toi, tu vois. Ouais, mais non, finalement. Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent, hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent. Le pauvre mec qui faisait les RP des vidéos, il va pas s'en sortir. Attends, avec tous les changements qu'il y a, ça suivra plus la ligne logique, hein. Ouais. Hein? Ou alors si, peut-être que vu qu'il y a eu une trop grosse entente avec les États-Unis et le Japon, le peuple n'avait pas été trop d'accord aux États-Unis, du coup il se rebellait contre Roosevelt, et le japonais, pour soutenir Roosevelt, a envahi les États-Unis. En fait, si, il y a moyen encore de faire une correspondance avec ce qu'il avait donné avant. Lol. Mais elle est bizarre la correspondance, hein, faut le dire. Ah, tu m'étonnes. Bah, Redak, t'es sérieux? Quoi? T'es occupé à envoyer toutes tes troupes
à Eureka. Et moi, tout bêtement, avec 4 divisions de cavalerie, je suis occupé à faire le tour de ta province pour essayer de t'encercler. Donc t'as possiblement 6 divisions qui vont se retrouver à la poubelle. Tu sens pas les couilles, le mec. Ouais, bah en même temps, il est un peu fini, hein, là où il est. À l'heure actuelle, il peut plus faire grand-chose. Faut dire que tes divisions, elles sont où? Tu les redéploies stratégiquement ou pas? Non, je les laisse là à Washington. Ah ouais, t'attends que j'arrive. Tu sais que c'est un point de commandement, Washington. Je sais. Washington, j'espère que tu l'as bien fortifié, hein, parce que c'est la ville que t'es pas censé perdre, tu vois. NDR, Washington, c'est sa capitale, elle a 2 PP. New York, en a 15. Ouais, mais New York, elle est super industrialisée. Hein. Tu sais comment ça fonctionne aux États-Unis pour les capitales de province ou la capitale des pays? Non. Dans chaque province, ils choisissent la ville avec le moins d'habitants, mais qui a le plus grand taux de comment dire de d'amélioration. Non, c'est pas ça. C'est de. Enfin, celle qui a le possiblement le moyen de plus s'améliorer, tu vois, comme ville. Ouais, d'accord. Qui a le plus de potentiel, mais ouais. Elle n'est pas spécialement grande. Et c'est ces villes-là qu'ils utilisent comme capitale. D'accord. D'empêche, regarde le territoire Reno. De quoi? Va sur le territoire américain Reno que t'as conquis il y a pas longtemps. Alors, Reno. Ouais. Quoi? Dézoome. Complètement. Ouais, j'ai dézoomé. Ça fait pas ressembler à... Ça fait pas penser à... Il Pac-Man. Faudrait que je continue encore un tout petit peu vers San Bernardino et Las Vegas pour... Enfin, et Elko aussi. Pour ça faire une sorte de bonne petite couille. Ah ouais. Mais non, on ne parlait pas ça. Mais on dirait Pac-Man. Ouais, il a une drôle de tête, hein, quand même, Pac-Man. Il est triangulaire. Pac-Man, non, mais sérieux. Bon, bah, je pense que les troupes de Eureka, là, les 6 divisions, on va bientôt pouvoir leur dire adieu, hein. Tu sais, là, Redax, si tu jouais vachement bien, je commencerais à envoyer les troupes vers Reno pour essayer de m'encercler, moi, tu vois. À la place de les laisser comme ça. Étant donné que je viens de te donner ce conseil, je vais redéployer les troupes à Reno. Ah merde! Tu me contre-attaques? Enculé! Ça c'était pas possible. Ah, faillite bancaire! Ah merde. Ça vient des États-Unis. C'est vrai en plus! Moi à ce niveau-ci, tu vois, je m'en fous un peu de la faillite bancaire parce que. Disons que ça va pas faire grand chose à mon économie, étant donné que je me base plus sur les États-Unis pour ça. Je sais déjà qu'ils sont foutus. Pauvre. Les États-Unis, tu m'enlèves la faillite bancaire, sinon je vais te défoncer. Je veux de l'argent. Tout à fait. Tu me détruis mes industries, ce connard. Et toi, le japonais, rigole pas parce que tu pourrais aller plus vite pour le conquérir, ce sera mieux. Ben écoute, je pourrais le conquérir un peu plus vite si je mettais en route ma tactique qui s'appelle full motorisé, sauf que ça me coûterait un peu beaucoup de PP, donc je préfère pas. Ouais, ben t'en as besoin là. Dépêche. Ben attends une minute, qu'est-ce que je suis occupé? Ben là je suis déjà occupé à améliorer des troupes, mais je sais pas trop ce que je leur mets en fait. Je vais essayer de faire une motorisée spécialement pour toi. Ça voilà, celle-là, ça c'est une des troupes de motorisés. Je vais les mettre en prioritaire pour les améliorations. Comme ça te fera peut-être plaisir. On va voir. Ouais, parce que moi là, mon industrie, elle commence à partir. À se casser la gueule. Bah ouais, à cause d'un fait de bancaire. Ok, pour fêter ça, je t'influence. Merci. Peut-être qu'un jour, tu finiras par avoir des bonnes idées diplomatiques, ce qui n'est pas encore le cas. N'oublie pas de m'influencer souvent. Bah, je t'influence plutôt souvent, là, hein, quand même. Mmh. Ah, je trouve personnellement que c'est déjà assez souvent comme ça. Hein, ok.
Non. M'énerve pas. Sinon c'est la guerre. J'aurai le Canada. Je rigole. Surtout que le Canada, je sais pas trop à quoi il pourrait me servir. En fait, les États-Unis en soi, ça, c'est super utile pour moi parce que ça va me permettre de faire des trucs de ouf. Parce que j'espère qu'il pourra me passer un peu de pétrole. Sinon, à part ça, N'empêche, après, ça te dit de faire un repas rustique. Ah oui, carrément, je veux bien ça. On peut même commencer à filmer si tu veux. Ouais, on fera une intro en même temps. Ah, une intro, ça va être dur à faire quand même, hein, parce que les intros, c'est chart. Du moins, pour les explications de base. Ouais. Ouais, ça je peux faire, ouais. De toute façon, y a qui va être dessus, tout le monde, normalement. Ben, je vais essayer de ramener Fighter, et de ne pas commencer des trucs sans lui, parce qu'apparemment, ça lui plaît pas du tout. Je vais aussi, Redak, je lui ai offert le jeu, et du coup, il sera possiblement là aussi. Toi, tu l'as également, donc tu pourrais être là. Tom ne l'a pas, et Mara ne l'a pas non plus. Ouais. Je l'ai pas passé à Mara parce qu'il s'est barré. Tom, il l'avait déjà de base. Et non, pas Tom. Attends, deux secondes. Fighter, voilà. Fighter l'avait déjà de base. Et Tom l'a pas parce que voilà, il l'a pas. Tout simplement. Il avait qu'à être là aujourd'hui, hein, merde. Ça serait peut-être mieux passé. Oh, je vais aller jusqu'à City Lake. Là, par contre, ça m'aiderait fortement d'avoir la capture des PP parce que pendant que je suis occupé à passer, je pourrais profiter de l'industrie américaine. Donc, à la prochaine ellipse, donc dans une minute. Je propose de relancer la partie et de mettre la capture des PP. Vas-y. Mais dans une minute. Parce que là. J'avance quand même bien. Hein. L'air de rien. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Comment ça va trop vite? Moi je trouve que ça va pas trop assez vite. C'est vrai qu'on est en vacances. Hein. Ah ouais, ça. Moi aussi je suis en vacances. Je suis bien en vacances. En fait, je suis pas encore en vacances. Moi, théoriquement, à partir du vendredi, je suis réellement en vacances parce que c'est vendredi que je reçois mes résultats. D'accord, t'es en première en fait, non? Non. Je suis en 6e secondaire. C'est l'équivalent du lycée la première. Pour vous, je pense. La dernière année du lycée pour vous, je pense. La terminale, alors. Bah, je suis en réto, moi. Ah oui, c'est la terminale. Ouais, bon, j'y comprends rien de toute façon au système éducatif. De toute façon, je comprends pas pourquoi ils ont fait des systèmes scolaires aussi différents. Ouais, je comprends pas non plus. Voilà, ici en Belgique, à la place de faire 6, 5, 4, 3, 2, 1 terminal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais. Cette première partie de la vidéo numéro 9, donc l'épisode 9 de Darkestor est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la prochaine partie de cet épisode. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. Qu'est-ce que je raconte? C'est la partie suivante, donc je rigole. Ah, c'est pas grave. Allez, à tantôt.